Aujourd'hui, œuf de Pâques merveilleux à la framboise. Bonjour, je m'appelle Cyril Rousseau-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prépare des meringues, je fouette des blancs en neige avec un petit peu de sel. Une fois qu'il commence à prendre, je rajoute le sucre en trois fois. Et lorsqu'ils sont montés, je rajoute le sucre glace. Mon bec d'oiseau est bien formé, ma meringue est prête. Je la dispose sur un papier cuisson. Et j'enfourne à 90 degrés pendant 2 heures. Je prépare une ganache au chocolat. Sur le chocolat noir, je verse de la crème bouillante en 3 fois. Une fois ma crème bien brillante, je rajoute le même volume de crème froide. Je mélange et je réserve une heure au frais. Je fouette cette ganache légèrement de façon à l'aérer, mais je n'en fais pas une chantilly. À propos, je prépare une crème chantilly en fouettant de la crème fraîche. Une fois qu'elle est montée, je rajoute le sucre et de la vanille. Dans des moules à œufs de Pâques, je coule un peu de ganache, je dispose mes meringues, puis ma chantilly. Je tasse et je lisse le tout. Je laisse prendre au congélateur minimum 4 heures. Une fois que mon mélange est bien pris, je sors mes œufs. Je décore avec des framboises. Du chocolat blanc fondu et quelques feuilles de menthe. Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite.